En vrai. Oh, c'est trop. Je peux pas me départager entre Yamete et Switcher. Ah, que le meilleur gagne, en fait. Ouais, que le meilleur gagne, c'est clair. Que le meilleur gagne. Allez, c'est parti. Après, c'est peut-être le plus gros joueur qui gagne. Ah, bah Pikachu, alors. Ah, d'ailleurs, j'ai eu un bug très marrant contre Pikachu. Ah ouais? Genre, je me suis pris un petit jolt offstage. Ouais. J'ai fait mon dragon laser. Et mon dragon, il a fait un angle à 90 et mon laser est allé en bas. Ok, ah, je... De base, ça arrive sur les côtés des plateformes de Yoshi, ça je sais. Je savais pas que Pika pouvait le faire aussi contre moi. C'est... C'est un match-up moins 4 maintenant. C'est horrible, je peux moins infini. Alors pour l'instant, c'est un échange de petits procédés, hein, de petits projectiles. Voilà, ça pioupioute. Oh oh. C'est une situation qui remonte, c'est bon, ça remonte avec Marie, ça remonte de des enfers. Ça va voir le Doomslayer et ça revient. Voilà. Je fais camper. Hein. Ouais. Donc un peu le son des voix. Voilà. Nickel. Voilà. Attention, c'est dangereux. Pour l'instant, c'est assez even. Oui. Ça se gratte des pourcents à droite à gauche. Ouh. Petit setup. Ok, ok, ça essaie de grave avec la canne à pêche. Assez spécial quand même. Mmh. C'est très neutral de projectile, on essaie de trouver une ouverture et tant qu'on n'en trouve pas une, on fait juste des pourcents. Ça va tellement loin en stage, mais les deux. Hein. Et c'est une stock en moins pour Isabelle. J'ai l'impression que c'est du hit and run alors que de base non. Mais c'est ça. Et vraiment, c'est impressionnant à quel point ça va sous stage et ça se bat sous stage quoi. Après, bon, ouais, les deux persos peuvent se permettre. Oh, pareil, là, on parlait de T-Jolt. Ah, c'est essayer de trouver un edge trap convenable là. C'est pas le chat, chef. Ah, le putain de chat. Oh, je suis un abruti, qu'est-ce qu'on pense ça? Non, ça c'est pas le chat ça. Après, tu peux mettre un widget pour avoir le chat sur OBS. Oh, bah, je sais pas, c'est pas mon. C'est ni mon, c'est ni pas mon moi. Stream ni mon setup. C'est dans Docs. Ouais, oui. C'est FJ fera ça. C'est FJ qui gère ça. Oui. Ok, ça détruit la mini story tranquille. Ouais. Allez! À la pêche au Pikachu chouchou. Ouh, ça tombe là. Ouh, ça y est, c'est les cinématiques, hein. Pikachu, les cinématiques. Oh, pas mal, pas mal. Oh là là. Vous l'avez dit. C'est une SD. C'est une SD. Il s'est fait PS de head. PS dead. Let's go. Ok, ok. Oh, les combos. Oh, oh ouais. Le Jablock. Ok. Très bien. Bon, ça commence à être un peu chiant là. Ah bah le neutral, disons que c'est un neutral. Oh voilà, allez, ça passe entre la canne à pêche. Oh attends, ça peut être terrible ça, 90%, ça aurait été terrible de mourir à 90%. Ok, on revient tranquillement. Bah les ballons, on va toujours aussi balancer de la tech. Magnifique tech. Ok, 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 ok. Ah, le smash. 79%, c'est faisable des deux côtés. Oui, clairement. Hein. Alors, clairement, Isabelle est en avantage, mais après Pikachu, ça remonte 79% assez facilement. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, ok, ok, j'ai commencé à me. Je me suis dit. Deux fois. Allez, c'est parti. Cinématique. Okay. Oh, raté, oh. Dommage. Ok, là, c'est bon. Ah mais il coupe rien, genre ça crame tout le temps. Alors, outre le fait que du coup c'est des adversaires qui se connaissent et qui à mon avis ils doivent connaître par cœur comment fonctionnent les DI, j'en parlais avec Yamete en fait pour tout ce qui est justement combo de Nerloop en Pikachu. En fait il va réagir au DI, sauf que si c'est un adversaire qui connaît bien et qui mixe ses DI, c'est du 50-50. Donc en gros, moi ce que je pense, je suis pas dans leur tête, c'est que Switcher, comme il connaît bien que Yamete et son Pikachu, c'est du 50-50. Donc le combo, soit il passe, soit il passe pas. Tu sais qu'il reste 2 minutes 30 là. Ouais, non c'est mais long, je veux pas savoir. Non mais... Il y a un Pikachu à 138% aussi. Et que la mine en fait elle protège les T-Jolt et ça c'est insane. Ouais, alors elle protège les T-Jolt. Oh. J'ai vu des morts avec ça.
Ça veut tellement finir avec la pêche. Il faut une cheaton ou quoi, c'est Fortnite. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Minecraft. Ok, un franc, une stock en moins. PS2 a carré un peu. Première victoire de Marie. Bon, qu'est-ce que tu parles? On repart sur les Pikémon. Merci. Oh, mais vas-y. On est bien. Oh, on est bien. C'est moi qui ai mis les chaises là parce qu'elles sont confortables, mais je me suis dit priorité au casseur quand même. Réserve au casseur, je suis d'accord. J'approuve ce message. Et aux compétiteurs qui sont ici. Après le reste ils vont se faire foutre. Ouais, oui, oui. Clairement. Ça part sur un petit BF. Ok, un SBF. Un ouais. Vers du Nord. C'est le mode de jeu. Oh là, oh là. Oh, non, pas comme ça. Eh mais il se passe des choses qui font peur hein, tiens, ces matchs. C'est un peu un combat, tu sais, quand t'as fini l'animé, c'est le dernier combat, tu vois. C'est ça. Est-ce qu'il sera décevant comme tous les derniers combats d'animés, peut-être? Ouais, des fois, ouais. Le seul manga qui m'a jamais déçu à la fin, c'est pas un manga connu, c'est Majin Tantei no Gami Neuro. Détective Neuro, qui a un affrontement final de pour moi. Pour moi, c'est le meilleur affrontement final que j'ai jamais vu dans un manga. Voilà. L'animé c'est de la merde, je précise. Enfin de la merde. Plus pas complet. Ok. Bleu. Ça envoie off stage. 54% du Ultra dans les deux. Mais c'est quoi ce possible? C'est pas plus even, ça existe pas. Punaise. Ça pop off un peu. Allez. Alors, on a les scores à me donner. Alors, oh, toujours c'est neutral, très fascinant. Hein. Alors. Donc, Bowser, là, Pierre Mitra. Non, c'est Cracker. Ouais, ça. On joue très prudemment hein, des deux côtés. Très bien. Et bah, pour l'instant, je crois pas que t'as encore d'adversaire. Ouais, il ne va pas tarder à finir au pire avec le coup, je pense. Hello, Witty. By the way, il y a deux setups du fond, c'est du free play. J'espère que tu vas bien, Dave. Ah bah. Oula. Marrant ce combat. Bah, grave, mec, on s'amuse de ouf. Alors, quoi, frérot? Bah, je te connais pas, mais ça va très bien. Alors, il y a 2 minutes qui sont passées, ils sont toujours à 3 stocks. Eh, mais il va falloir. Les bros, il va falloir commencer à accélérer. Il tue pas mort, il tue pas mort. J'étais sûr en plus, j'avais oublié son. It's not over yet. Oh, magnifique, il a utilisé le fait que Marie. Que Marie. Magnifique, bah, on reset. Que Marie a récupéré le T-Jolt pour placer un up smash. C'était vraiment extrêmement bien joué de sa part. Cependant, on est sur 0-0. Il reste plus que 4 minutes. Je vous jure que si ça time out, je vais péter un câble. Et je pense que j'ai taunterai la vie là-dessus. Voilà. Par contre, on va faire des pourcentages de switcher. Oh là 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 là, ok, 85%. Oh, ta tech, oui, magnifique tech. Ok. Magnifique Edgeward. Bré. Allez, c'est parti, on a une stock de retard pour Isabelle. Non! Waouh! Magnifique Spike! Waouh! J'ai pas vu, mais c'était sexy quand même. Alors en gros, Isabelle était au ledge. Pikachu était bien en bas. Et il a Don B, ce qui fait que la vulnérabilité d'Isabelle a fini. Il s'est pris l'éclair alors qu'il était accroché au ledge. Spike mort. C'était assez sexy. Hein. Ah, c'était une mort à 30%, je crois, un truc comme ça? 39%. Donc autant dire que c'est sale. Ah bah y'a Dira, tu vas voir.
Genre le match, mais c'est un documentaire, faut vraiment regarder. Hein. Est-ce qu'ils peuvent arrêter d'être even? Ah, oui, c'est vrai ça, ouais. En fait, des fois, c'est even pendant un quart d'heure, et après, genre, d'un coup, il y a une dinguerie. Ok. Ok, bah, il y a une phase, là. Oh, mais attendez, nous sommes sur Smashville, qui est, je pense, une map qui est légèrement meilleure pour Isabelle, mais ça, c'est mon avis. Bah, elle est à la maison, hein. Et puis même la plateforme centrale... Bah, domicile, hein, ça fait chier. Je crois que la mine est genre OP. Ok, 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 ok. Bah, le terrain est petit, donc ça facilite les zoneurs. Maintenant, après, les deux peuvent zoner, hein, mais... Je crois que les cailloux font vraiment tout le stage, par contre. Ah, y'a moyen. Ouh, tension. Alors, faut savoir un truc avec la mine d'Isabelle qui fait chier, c'est que si la mine explose, Isabelle prend des dégâts, et genre, des bons dégâts. Ah ouais. Ah, c'est une SD de la part de Yamete. J'ai un flashback de la première game, ouais, j'avoue. Par contre, ils en ont pas marre de clonk tous leurs projectiles, genre. Après, voilà, Switcher s'est bien dit, vas-y, fais tes projectiles en bas, moi sur ma plateforme, je m'en bats les steaks. En tout cas, merci pour le attends, mais il vient le faire. Il vient de lancer son Seed Jolt autour de la plateforme et il l'a récupéré, mais pourquoi? Parce que ça le booste en dégâts? Non, je pense pas. Il me semble pas qu'avec cette mécanique. Hein. Oh, ça la clanque! Quel dommage! Ok, ça roll. Très bien, très bien. Compliqué, compliqué. En fait, il veut juste hitstun avec un petit jolt en fait. Ah, oh, c'est possible, hein. Ok, ok, ok. Ok, ça essaie de faire le quick quick. Moi, j'appelle ça le quick quick. C'est un terme très technique. Hein. Le quick quick de Marie. Ok, ça va de l'autre côté. Oh, ça c'est beau mix-up. Pour savoir où est-ce qu'on allait. Ok, 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 les projectiles, hein, les projectiles, on sait qu'on est sur ce genre de game plan. Il s'appelle pas fatigué pour rien. Oh, ok, ok, ok. Ok, 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 allez, 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 allez. Très bien, très bien, très bien. Le backer. Oh, waouh, magnifique. C'est un pop-off, c'est un petit pop-off sur ce kill, mais un mec... Oh, vas-y, ça taunte. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh les mecs, on est pas en freeplay là. Mais il meurt pas. Le mec, il joue pour les caméras. C'est illégal de pas... Oh. Le mec, il joue pour les satellites, à ce moment-là. C'est trop une dinguerie. Il fait coucou à la caméra. Non mais c'est une blague. Ok, ça set up le petit jolt. Ah bah super ça. Ok, ok, ok. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, bon, vas-y, on l'a pari. D'accord, d'accord. 41%, ouais. 54%. Oh, ça fait mal. Nous, hein. Oh, ok, bah c'est dans le smash. Ok, 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 les fers. Il va remonter. Nice. Alors j'aime bien parce que Tijol passe au-dessus de la mine et du coup il ne pète pas. Trop marrant. Je crois que ça tank en fait quelques Tijol. Non, en fait, si la Tijol qui passe au-dessus, ça la tank pas, ça fait rien. Il passe juste au-dessus en fait. Ouais, mais elle en tank plusieurs, il me semble pas. Elle peut en tanker 3 ou 4, je crois. Je pense. Il va loin le taser par contre. Ah, Marie, c'est une des recos. C'est une reco incroyable. Hein. C'est exploitable, hein, mais c'est incroyable. Alors. C'est surtout un mix-up. Ouf, ouf, oui, oui, oui. C'est un très bon mix-up. Il y a des maps sur lesquelles tu peux faire le tour, comme Pikachu. D'ailleurs, en vrai, quand j'y pense, ils ont un peu le même genre de Rico mix-up. Ok, 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 ok. Oh, mais vas-y. Stunt. Quel. Ouais, on est d'accord. C'est mérité. T'as écouté? Il s'est dit non, alors non, c'est pas ça. Tout ça. Bien joué à Switcher.